Salut! Dans cette vidéo, un croc sain, végé et anti-gaspi, je t'explique comment tout de suite. Alors, bienvenue dans ma cuisine et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Catherine Piette et je t'aide à être zen et organisée en cuisine en faisant tes préparatifs, en les regroupant une à deux fois par semaine et en mangeant sain le reste du temps, du fait maison que tu déclines et que tu réchauffes exactement comme ici. En fait, ici, c'est une aubergine façon Ottolenghi et ça, les abonnés et les membres de mes formations Épicé tout et Révolution cuisine ont eu accès à des recettes d'aubergine. Et donc, si tu es membre, tu vas apprécier cette petite recette anti-gaspi parce que tu vas pouvoir tirer parti de la moindre petite lamelle d'aubergine. Quand on a des tout petits restes, parfois on est bien embêté parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas faire un repas avec. Et donc le croque-monsieur, c'est une manière très saine de faire un petit repas sur le pouce, rapide et tout à fait avec des légumes, tout à fait équilibré. Tu vois, du fromage, des légumes, un pesto maison avec de la roquette, du parmesan et des amandes. Alors, ici, tu vois, je vais étaler justement ce petit pesto sur le pain, ce qui va lui donner un côté moelleux puisque je ne vais pas mettre de béchamel dans ce croque-monsieur. Et puis, on va étaler les légumes. La fameuse aubergine, on va la mettre au milieu. Donc ici, un petit morceau de chou-rave. Et par-dessus, la mozzarella. Voilà. Alors, ici, les petites feuilles de basilic. Je mets l'autre tranche de pain et pour parfaire le tout, un petit peu d'huile d'olive. Si tu n'as pas de grill, tu peux très bien utiliser une poêle. Voilà. Et voilà notre croque. Ouh, la mozzarella qui file. Eh bien, bon appétit. Si tu veux être averti, abonne-toi à la chaîne et si tu as aimé cette recette, un petit pouce, ça me fait plaisir. Salut, pour plus de renseignements, ici en dessous. Ciao!